Foyer, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de bottes de travail. Actuellement, on fait aussi les bottes pour les militaires canadiens. Foyer, c'est une entreprise qui est située à Lac-de-Relais, dans la MRC du Granit. C'est une entreprise qui a été fondée en 1934. Mon nom, c'est Francis Lacroix. Je suis directeur innovation ici chez Foyer. En décembre 2014, Défi Innovation Estrie a tenu un mardi d'innovation ici même à Lac-de-Relais, chez nous, chez Foyer. On a fait une visite interactive, puis aussi une formation sur le développement de produits. Ça donne des idées par rapport à des nouvelles technologies, du savoir-faire aussi. Puis par association, même si c'est dans un différent domaine d'activité, c'est peut-être quelque chose qu'on est capable de prendre. Des fois, c'est juste une petite chose qui permet de nous donner une avance sur le marché ou au niveau d'une nouvelle technologie. La journée, ça s'est très bien passé. Je pense que les entreprises se sont montrées très intéressées. Dans le fond, on a eu des très bons commentaires d'un côté par rapport à la façon qu'on procédait au développement de produits. Fait que dans le fond, le processus qu'on utilise, j'ai trouvé ça très intéressant puis à la limite même inspirant. Concrètement, ce que ça nous donne d'innover, c'est tout l'apprentissage. Des fois, c'est de l'apprentissage qu'on ne peut pas utiliser immédiatement pour développer un produit, mais on ne sait jamais dans le futur, dans peut-être 6 mois, 1 an, cet apprentissage-là va peut-être nous bénéficier. Si Foyer n'avait pas innové, elle ne serait plus de ce monde. Dans le fond, c'est ça qui nous permet d'être, concurrentiel sur le marché. Une ressource comme Défi Innovation Estrie est importante selon moi. Même fondamental, je dirais, parce que dans le fond, ça aide à créer les liens entre les différentes entreprises de la région. Donc, ça permet d'aller chercher des petites choses, des petites astuces, des petits trucs, puis aussi créer des liens avec d'autres entreprises que peut-être qu'on ne connaîtrait pas si on n'aurait pas ce coaching-là ou cette aide-là de Défi.